beaucoup. C'est le bien d'avoir de la science, le bien d'avoir de cesser tes activités, le bien d'éloigner les mauvais yeux avec toi. Donc, le bien très important pour nous aider la famille, c'est très bien avec ce bien, mes chers. Ok, mes bébés, voilà toujours la famille. Faites ce bien, tu vas venir pointer sur mes cœurs. On a besoin d'une ananas. Prenez l'ananas que vous le voyez avec comme ça. Rien n'enlevez l'ananas tout entier. Vous coupez tous vos ananas en petits morceaux. Vous les mettez dans vos seaux de bain, la famille. Vous ajoutez 16 morceaux de sucre que vous le voyez, la famille. Vous ajoutez ça dedans, la famille. C'est très important. C'est très bien. C'est très bien. C'est une recette qui va donner volume à tes activités, la puissance à tes progrès. Qui va faire vraiment, si les mauvais yeux te fatiguent, là, ils vont te laisser tranquille. Par grâce à Dieu. Tu vas être content, mes chéris. J'ai dit bien, tu seras le miel. Tu seras la lune. Avec ce recette-là, tu seras heureux, mes chéris. Ok, la famille, c'est très important, c'est très bien. Voilà, juste une ananas. Tu n'as besoin de d'autres choses. Tu n'as besoin que juste ananas. Tu coupes ananas en petits morceaux. Quand tu vas finir de couper ananas en petits morceaux, là, tu mets dans ton seau. Ok, la famille, tu ajoutes le sucre. Voilà, ta vie serait sucrée comme ça. Ta vie serait miel comme ça. Ta vie serait toujours bien, la famille. Qu'est-ce que tu vas faire encore, la famille? D'après ça, mes chéris, d'après ça, mes bébés, on aura besoin de quoi? Vous allez voir toujours. Toujours heureux. Vous allez ajouter encore quoi? Le miel. Voilà. Ajoutez le miel dedans. 2 à 3 cuillères de miel, c'est important. On va ajouter quoi encore, la famille? On veut toujours être heureux. On veut toujours avoir du bonheur. On veut toujours avoir du succès. On veut vraiment. Mais tout ce qu'on touche, on n'arrive pas à se ressentir. On est fatigué. Voilà. Donc avec ça, vous n'allez pas plus parler fatigué. Vous serez toujours 5-5, 10-10. Enfin, grâce à Dieu, mes chéris. Vous allez être heureux. Ok, mes chéris? Voilà. Quand vous allez finir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez besoin de celle de la cuisine. Que vous les voyez avec moi comme ça. Celle de la cuisine, la famille. Vous allez finir tout ça là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez besoin l'eau de la pluie. Voilà. Je vous assure, l'eau de la pluie, c'est très important. Vous allez mettre ça dedans. Quand la pluie vient comme ça là, déposez vos seaux dedans. L'eau va descendre directement comme moi je fais. C'est comme ça que je fais pour moi. Je dépose comme ça le seau dehors comme ça. L'eau descend. Après, j'ai fini. Je mets dans mes bidons. C'est comme ça que je passe la famille. Mets l'eau de la pluie comme ça. Quand tu vas finir de faire ça, il faut ajouter l'eau là. Tu gardes l'eau. Lendemain, tu commences à faire tes bains. Matin comme soir, tu fais tes bains. Tu parles tes vœux. Tout ce que tu peux. Et tu veux parler avec ton bain là. Il faut aller te laver. Voilà. Fais ça pour 7 jours. Tu vas venir pointer. Tu seras heureux. Tu serais content parce que c'est quelque chose de lourd, quelque chose de bien, mes chéris. Donc, fais ce bien pour être heureux, mes chéris. Ok, la famille, vous allez venir me pointer. Même s'il y a les mauvaises personnes qui circulent sur toi, qui veulent que tu vas être gâté là, avec ce bien-là, tu seras brûlé comme une étoile. Ok, mes chéris, juste pour 7 jours, fais ça. Voilà. Tu ne fais pas aujourd'hui, hein. Tu fais aujourd'hui, tu déposes. Lendemain, tu commences, matin comme soir, le puyeux du tête, tu laves tout sans savon. Par tes vœux, tu restes dans la toilette, l'eau va rentrer sur toi, après tu sors dedans. Ok, mes chéris? Voilà. Après ça, tu vas venir me pointer ici pour 7 jours. Tout ce que tu veux que Dieu va faire pour toi, il faut aller faire ça. Tu seras heureux. Merci là-bas. Ok, mes bébés, fais ça, tu seras content. Tu seras une lumière avec ces recettes.